Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture d'une box que je n'ai jamais ouverte sur ma chaîne. C'est la Bandy Box. Franchement, je suis trop contente. J'ai vu qu'ils proposaient cette box gratuitement ou gracieusement. Et moi j'ai fait un remix des deux sur la plateforme Influence for Brand. Et donc ils ont accepté de m'envoyer donc leur box. Alors qu'est-ce que la Bandy Box? Bandy ou Bandy? Bandy Box. On va se le faire à la française. Alors en fait, la Bandy Box, c'est une box qui est vraiment trendy, tendance. Enfin, c'est des termes qu'ils utilisent pour décrire tout simplement cette box. Et apparemment dedans, enfin apparemment, j'étais curieuse, j'ai ouvert. Je vous avouerai, j'ai ouvert. Dedans, il y a des accessoires, tout ce qui est plus tendance, mode et parfois make-up. Ça dépend du thème de la box tout simplement. Et c'est vraiment axé sur... des produits qui sont full size, qui sont, alors eux ils disent des produits qui sont pas au rabais, donc j'entends par là que c'est pas des produits effectivement, parce que dans certaines box on reçoit des produits qu'on va finir par retrouver chez nos ou autres, où c'est vraiment des produits fin de série, des trucs comme ça, alors que là non, c'est vraiment des trucs hyper tendance à la mode, voilà, des trucs qui se font en ce moment tout simplement, avec entre 5 et 7 produits full size. Après vous avez plusieurs box qui sont proposées, vous avez la box donc pour elle, celle que j'ai reçue, la box pour lui, la box de couple et la box de famille, voilà. Et celle-ci elle est au prix de 29,99€, je sais plus, je l'ai écrit quelque part. 29,90€, voilà voilà. Et vous avez plusieurs possibilités pour pouvoir commander cette box, plusieurs abonnements, vous pouvez prendre un abonnement d'un mois, de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois, voilà. Sachant que à chaque fois au niveau accessoires on s'y retrouve beaucoup plus hein, bien sûr, on a vraiment la dose. Donc voilà, la box est assez sympa, c'est une grosse boîte de mouchoirs comme ça. Alors on va l'ouvrir, elle était scellée ici, je l'ai ouverte hein. Franchement je vous avouerai, j'étais trop curieuse parce que je savais pas quand est-ce que j'allais tourner cette vidéo, et finalement je la tourne le lendemain, je l'ai reçue, donc bon, j'avais pas longtemps à attendre, mais je savais pas trop. Donc quand on l'ouvre on a ceci, donc il y a écrit attention les yeux, petit bonheur à l'intérieur. Voilà, alors je peux vous dire que j'étais vachement, mais alors vachement surprise de cette box, je m'y attendais alors pas du tout. Voilà, je sais pas, la box de... c'est la box de quand ça? Si c'est pas celle du mois de mars il me semble. Donc elle s'appelle Beautiful Girl, cette box. Et puis derrière il y a les produits qui sont... ouais, je viens de voir un truc là, je suis choquée. Donc le récapitulatif des produits qu'on trouvera dans la box avec les prix. Et là c'est le prix d'un des produits que je viens de voir et je suis choquée, choquée, choquée. Donc ils disent l'air du temps s'y prête. Nous avons voulu mettre à l'honneur la féminité, qu'elle soit fragile ou assumée. Nous parlons de la féminité de la mode, bien sûr, qui se traduit dans les détails et nous fait nous sentir belles. Pour les autres, mais surtout pour nous-mêmes. Nous découvrons de jolies tendances mises en lumière dans cette délicate Bandy Box pour rayonner tout simplement. Et si vous vous demandez comment je suis maquillée, c'est la vidéo que j'ai tournée, je pense que vous la verrez avant ou alors juste après, où on se prépare ensemble, voilà. C'est vrai que comme ça, ça fait charger, mais c'est... voilà, bon, bah bref. Ça n'a rien à voir avec cette vidéo. Alors, je vous... voilà. Donc la vidéo, la box est bien pleine. Le petit truc qu'il y a dessus, je vous le montrerai à la fin. C'est la pépite... non, c'est plutôt la cerise sur le gâteau. La pépite sur quoi d'ailleurs? La pépite sur rien du tout? C'est la pépite? Non. Ce sera pour la fin. En attendant, je vais vous montrer les accessoires qu'il y avait dans la box. Donc, on retrouve des accessoires mode, des accessoires un peu trendy de la maison, etc. Et il y a un truc beauté également. Donc, j'ai reçu 5 produits dans cette box, mais pas les moindres. Alors, je commence... par un petit truc, voilà, un petit clin d'œil. Ils nous ont mis un petit porte-clés comme ça, jaune. Et en fait, vous savez, c'est les trucs qui se... les petits sequins qu'on voit énormément en ce moment, qui se retournent comme ceci pour pouvoir faire une autre couleur. Et puis après, hop, vous voyez. Donc ça, c'est accessoire, mais on aime toutes les petites accessoires comme ça. Donc je pense que je vais le mettre sur mes clés de la salle de sport, de mon casier, voilà. Quoi que non, parce que ça risque de prendre un peu de place après sur moi quand je vais aller au... faire les machines. Bref, je vous raconte ma vie là. La meuf est trop contente de faire du sport. C'est vrai en plus. Donc voilà pour ça. À la base, je voulais pas vous faire cette vidéo uniquement pour la Bandy Box. Je voulais vous l'ouvrir dans une vidéo facteur et passé, mais non, elle vaut sa vidéo à elle toute seule. On va se le dire là. Qu'on se le dise, voilà. Parlons français. Donc, le petit cœur, du coup, qu'est-ce qu'ils en disent? Joli cœur, un bijou de sac ou en porte-clés, voilà. C'est un produit girly et funky de la box pour ne pas se prendre au sérieux. Voilà.
Bon, bah tant mieux. Vous pouvez changer sa couleur comme par magie en tournant les sequins. Nanana. On change de sac, on change de couleur. Oui, enfin, bon, il y a quand même le jaune derrière qui change pas. un accessoire mignon et régressif comme on les aime, valeur 5 euros. Voilà, bon, je trouve que là, ils n'ont pas exagéré au niveau du prix. C'est à peu près la gamme de prix. Ensuite, je trouve dans la boîte ceci. Donc, c'est un petit bracelet comme ça. Alors, je sais pas si vous voyez le petit pompon, vous pouvez l'enlever comme un. Il y a un petit mousqueton pour l'enlever et il est vraiment très très beau en espèce de bleu, gris, comment ça s'appelle ça? Alors, bracelet facette, une touche de brillance chargée de bonnes ondes toujours dans l'air du temps. C'est vrai que le pompon, le bracelet comme ça, bah, vous voyez j'ai que des trucs comme ça, c'est dans l'air du temps, on est d'accord. Sa promesse, c'est la promesse de ce bracelet, d'accord. En perles d'une couleur marine très classe et sa touche trendy signée de la tombée d'un pompon. Valeur 6,50€. Écoutez, hop, en plus c'est élastique, donc tant mieux. Voilà, bah voilà, ça va très très bien avec ma tenue, tout ça, tout ça. Donc ça par contre, j'adore encore plus le petit bracelet, le petit porte-clé, j'aime beaucoup aussi, mais ça vraiment c'est la petite touche de féminité qui fait que, voilà, moi j'adore avoir des trucs... plein de bijoux, hein, ça vous le savez. Ensuite, je trouve cette paire de chaussettes. Il y a écrit que c'est une taille unique, ouais. Cette paire de chaussettes avec des petites perles comme ça. Donc, j'espère que les petites perles vont pas se barrer. Ah non, c'est des petites perles qui sont cloutées à l'intérieur. Elles sont pas, cousues. Donc, tant mieux, ça tient mieux. Donc, super, on va ouvrir. Moi j'adore aussi ça quand vous mettez un jean avec des baskets, et ben vous mettez des petites chaussettes en perles comme ça, ça dépasse du jean, vous retroussez et c'est fashion. Voilà, c'est vachement à la mode. On entend tout le temps parler Calzedonia, tout ça, tout ça. On a tout acheté des chaussettes en résine avec des nœuds. Enfin bref, là cette fois-ci, ils ont fait un autre accessoire tendance et c'est bien parce que j'avais pas comme ça avec des perles. Chaussettes perlées, suis-je précieuse? Suis-je nacrée? Suis-je à la mode? Non, c'est même pas des questions en fait. Je lis sans lire tellement je suis excitée. Il y a écrit « Je suis précieuse, je suis nacrée et je suis à la mode ». C'est une affirmation. Je suis la grande tendance de cette année et je suis révélatrice de beauté. Qui suis-je? Vous l'avez deviné? Bah ouais, je l'ai dans les mains et vous le voyez. Eh bien, on vous parle du détail perlé qui envahit la fashion sphere. Ok. Ok, bon. Hein. Valeur 9 euros. Et puis c'était quoi la marque? Parce que du coup, je connais pas moi. H et Nathalie. Ok Nat, ok Nat. Bon bah voilà, des petites chaussettes comme ça, bon ça va aller au niveau de la taille. Bah j'adore. Voilà, ça c'est pas mal. Par contre je pense que si vous faites un petit pied, parce que moi je fais quand même un 40, donc tranquillou bilou, mais si vous faites un 36, ça me paraît grand quand même. Je sais pas, à voir. En tout cas, c'est sympa et c'est vrai que c'est très rare dans une box quand on retrouve des accessoires comme ça, plutôt mode, plutôt fashion tendance comme ça. Ils ont raison, c'est vraiment dans l'air du temps, c'est vraiment un truc qui se fait maintenant. C'est pas parce qu'on là, il y a certaines box que j'ai pu tester où voilà, vous retrouvez des trucs, après vous avez chez Nose. Bref, je me répète. Et ensuite, il y a une autre petite pépite dans cette box et c'est un vernis de chez Essie et c'est un full size cette fois-ci et c'est une couleur pareil un peu métallisée qui est vachement tendance. C'est la couleur Ready to Boa. Je sais pas si vous verrez. Voilà, voilà. J'adore. Franchement, un peu nacré, métallisé comme ça, super belle la couleur. C'est le genre de couleur que j'adore porter. De toute façon, est-ce qu'il y a déjà une couleur que vous m'avez pas vu porter? Franchement. Au niveau des accessoires, des lèvres, des vernis, je porte de tout. La seule chose que je porte pas de tout, c'est des couleurs peut-être sur mes vêtements. Enfin, je porte des vêtements colorés. Enfin bref, je m'éparpille. Mais il y a certaines couleurs que je ne porte pas en vêtements, comme le rose ou le bleu marine. Et encore le rose. En ce moment, je fais quelques petites entorses à la règle avec du rose pâle. Voilà, quand je porte des sweats, des trucs comme ça. Mais c'est très très rare. Et le bleu marine, c'est encore plus rare. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Et donc, ils disent que le vernis Essie, de la marque Essie, Los Angeles, nanana. Ah, ça existe depuis 1981. Bah, on apprend quelque chose. Franchement, Essie, vous êtes plus vieux que moi. Et une belle couleur chaude, nanana, valeur 17 euros. Par contre, là, je suis pas d'accord. Non, les vernis Essie, c'est à peu près entre 12 et 13 euros. Max 15 euros.
Mais moi, je les ai chez Leclerc à 12 euros et quelques, ou 13 euros et quelques. Je sais plus, 14 euros et quelques. Ouais, enfin bref. C'est entre 12 et 15 euros, mais pas 17. Là, pas 17. Ou alors tu commandes sur un site et t'as des frais de port et des frais de douane. Hein. Non, peut-être pas, j'exagère. Ils ont un peu gonflé le prix, mais c'est pas grave. On peut pas leur en vouloir parce que ce qui arrive après... Donc le dernier petit cadeau qu'on a dans cette box, c'est ceci. Et c'est un sac de la marque Torrent. Et le sac, je l'ai pas ouvert. Je sais pas comment il est, je vois juste la forme. Donc je l'ai pas ouvert, ça se trouve il est moche. Je pense pas. Il est d'une valeur de 69 euros. Voilà. Je pense qu'il n'y a plus rien à ajouter. À part peut-être on va l'ouvrir pour regarder. Mais voilà, ils disent le produit coup de cœur, on adore la qualité, la matière et tous ces détails qui font que ce sac est une petite merveille de la mode. Originalité et classe sont, la mise, sont de mise pardon, pour cet accessoire discret et non des moindres remarquables. Alors, c'est un sac XS qui contient le strict minimum pour un minimum de style. Ok, pour un look audacieux et faussement sage, d'accord, il y a une bandoulière, d'accord, bon on va regarder. Donc un sac Torrent, enfin la marque Torrent, c'est quand même, voilà, c'est pas donné. Donc on est content. Alors, hop, qu'est-ce que ça donne? J'adore ce format de sac, c'est mon dada. Et là, en plus il est noir. Ils auraient pu nous mettre une couleur qui se vend pas, qui est vraiment pas délicate. Moi, il y a des couleurs de sac, pas. Enfin non, j'ai vraiment toutes les couleurs de sac aussi. Ah, peut-être pas rose. Mais là, non, franchement, bah voilà, du coup, ça va aller à tout le monde et bah il est fashion. Je vais enlever tous les boui-boui et je vous reprends juste après. Donc, voilà la bête. Donc là, j'ai mis la anse, voilà, pour pouvoir le porter comme vous le voulez. Vous pouvez également l'enlever, hein. Vous avez les petits mousquetons sur les côtés pour l'enlever. Et je sais pas si vous verrez, il est bimatière. Là, il est en espèce de suédine. Pas vraiment de la suédine, je sais pas comment vous expliquer. Et le reste est en espèce de cuir, je pense pas que ce soit du cuir. Et derrière, donc vous avez un zip, vous avez encore l'étiquette hein, de la marque où dessus le prix est bien indiqué. Vous voyez. Donc par contre ils disent pas si c'est en cuir ou pas, mais je m'en fous à la limite. J'ai envie de dire, c'est pas grave. Hein. J'achète pas souvent de sacs en cuir, voilà, parce que je suis quelqu'un qui adore changer de sac. Donc voilà, je mets pas forcément des milliers et des cents dans un sac. Donc voilà, vous ouvrez la pochette, vous avez un zip quand même pour pouvoir refermer la pochette intérieure. Donc vous ouvrez, hop, et vous avez dedans deux pochettes. Vous avez une pochette ici qui se ferme avec un zip et vous avez une pochette de l'autre côté qui n'a pas de zip. Et voilà, qui est vachement mine de rien. On peut en mettre dedans mon tout en un passe tranquille bilou. Franchement je suis trop contente, je suis juste choquée de cette box et dans la box d'avoir reçu de tels produits franchement. Ah il y avait ça aussi, je l'ai pas remis, il y avait ça qui était voilà sur le sac comme ça, la petite accessoire voilà, ou après vous pouvez également mettre, bah moi c'est vrai que j'aime bien mettre des pompons et tout ça sur mon sac, je suis assez tarée. Mais trop mignon franchement. Trop mignon le sac, c'est un truc de dingue. Je suis juste choquée en fait de... Bah je vais changer mon sac là. Je vais changer, je vais enlever les affaires que j'ai dans mon sac pour pouvoir utiliser celui-ci. Il est trop beau, il est magnifique. Par contre la lance était toute pliée, donc faut qu'elle se passe. Mais franchement, waouh, je suis choquée rien que pour la box. Quoi. Rien que pour la box, rien que pour le sac. Et j'avouerai que j'ai aussi un petit coup de cœur pour les chaussettes et puis pour le vernis. Quoique j'aime aussi beaucoup le petit bracelet. Après ça, c'est accessoire, ça fait toujours plaisir. Mais voilà, c'est pas quelque chose que j'irai acheter de moi-même. Mais les vernis, si, et les accessoires, si, si. Les chaussettes aussi, parce que je suis tombée en plein dedans, un peu comme tout le monde. Hein, j'ai comme un petit mouton. Mais je fais trop bien le mouton. Donc voilà pour cette Bondi Box. Je suis... trop contente, c'est fou avec les réseaux sociaux, avec YouTube et tout ça, ce que j'ai pu découvrir et maintenant les choses que j'ai l'honneur, parce que vraiment pour moi c'est un honneur de pouvoir partager avec vous, de pouvoir tester et bah, merci beaucoup à la plateforme de Influence for Brand et merci beaucoup à la marque Bondi Box, aussi Bondi Box de m'avoir envoyé leur box parce que voilà c'est un budget quand même. Je suis trop
trop trop contente, c'est un truc de dingue. Donc est-ce que je vous recommande cette box? Bah franchement oui, à 100%, c'est pas des box de... Je pense que comme vous pouvez le voir, on se moque pas de vous, et comme je dis, c'est un box que vous pouvez avoir pour toute la famille, pour monsieur, pour madame, pour un couple, ou pour la famille, donc pourquoi pas à tester. Bon moi je suis seule au monde hein, donc la box pour elle ça me va très très bien. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé cette box, vous avez des commentaires pour ça, lâchez-vous, écrivez j'allais dire ce que vous voulez, non. Pas d'insultes, on n'a pas vraiment d'insultes ici, c'est très rare, mais écrivez votre ressenti dans les commentaires, c'est fait pour ça, pour partager. Donc vous pouvez également liker la vidéo si vous avez aimé, et puis vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas. À ce qui paraît, je suis gentille, bon ça dépend des jours, ça dépend de l'humeur. Non franchement ça va, je suis sympa, je suis sympa. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.